Cachot, messire Thibault. Grand plaisir pour moi et une bonne surprise pour vous. Tu as un arrivage de chip? Non. De chêne? Une barrique? Non. Un marin? Un marin? Ouais. Et deux chênes? Ouais. Childo! Thibault! Blanchot! Dans mes bras! Childo! Venez, mes amis. Approchez, venez voir le célèbre Gildo, le génois. Le plus bel échantillon de la marine génoise. Voudrais-tu leur faire voir comment tu nous as ramenés de Saint-Jean-d'Acre? Ah oui? Eh bien, tiens, un jour, Gildo nous a retrouvés, blessés tous les deux dans le désert, tout près de Saint-Jean-d'Acre. Et il nous a ramenés sous ses bras jusqu'au port comme deux nourrissons. Toi à droite et moi à gauche, hein? Enfin, c'est à peu près comme ça. Oui, c'est ça, oui. Sauf que je vous changeais de bras de temps en temps, vu que Blanchot est plus lourd. Hein? Voici Jean de Noblecourt et Arnold de Bercé. Dans deux jours, ils marcheront à nos côtés sur Damas. Nous accepterais-tu à ta table? Trois chevaliers, messieurs, c'est trop d'honneur. Bon, moi, je te fais pas honneur, Marfin. Bien sûr que oui, paysan. Qu'est-ce que tu manges là? Ah, s'il vous plaît de goûter, messieurs. C'est de la confiture de gêne. La confiture? Ben, dis donc, hé, j'ai dit de gêne. J'ai dit, ben... Mais il me semble, messire, que vous méprisez la confiture de ma patrie. Il vous semble bien, messire. Ah oui? Et ne craignez-vous pas que je vous en demande explication sur le pré? Sur le champ! Plaisant, j'espère. Ils n'en ont pas l'air. J'arbitre? Tu arbitres! Toi tout seul? Non, à trois. Chevalier, par grâce, consentiriez-vous à assister Blanchot dans ce duel? Tu te mets au centre. Comme d'habitude. Venez vous mettre ici, Jean. Et vous, Arnold, à droite. Joignez vos pieds. Non, une seule main. Tout le monde est prêt? Attention. Fendez-vous! Gildo! Je te foncerai la part du temple de Salomon comme dans la Bible. Ah, j'en connais qu'un seul qui me battra le jeu. Ah oui, qui? Lui. Elle, elle. Ah oui. Ah ben dis donc, moi j'aurais pas cru. Hein. Regarde-le mieux. Oui. C'est un faux maigre. Des muscles. Allez. Jambes écartées. Attention. Attention, vous y êtes tous les deux? C'est moi qui arbitre. Attention. Alors, vous êtes prêts? Les bras. Et deux. Une seule. En place, Gildo. Là. Allez-y. En place, Gildo. Et voilà. Tavernier, quand j'arrive, j'ai pour habitude d'être accueilli à la porte. Excusez-moi, seigneur, mais je plaisantais avec des amis. Belle fréquentation pour des chevaliers. Quel pays! Toutes les dignités se perdent. Qu'est-ce que c'est que ce damoiseau? Calme-toi. Il fait peut-être partie de notre expédition sur Damas. Encore une dignité qui s'effondre. Quel pays? Corrigez-moi ce bouffon! Gildo! Messire, vos amitiés à vous semblent fragiles. Vous me rendrez raison. Dans deux jours, nous livrerons bataille. Nous n'avons nulle intention de verser ici du sang chrétien. Je pars aussi! Parfait. Nous jugerons alors de votre valeur. Non! Tout de suite! Vous apprendrez bientôt qui je suis. Attention, il y a une plaque. Il s'est trouvé mal, pauvre demoiselle. Ah,
il est mort. Oh, c'est pas vrai. Mais personne ne l'a frappé. Sa tête a dû mal porter. Encore une taverne où l'on se bat. Il est heureux que mes chevaliers se mettent bientôt en campagne. J'espère que ça les occupera. Ils n'ont plus d'ennemis à combattre, alors ils se battent comme des gamins. Thibault n'est pas un gamin. Il s'agit du Thibault? Oui. Et cette fois, il y a mort d'homme. Sire, si Thibault a frappé un homme, alors c'est que le bon droit était du côté de Thibault. Bon droit ou non, savez-vous comment s'appelle la victime? Altenberg. Cette querelle stupide et meurtrière peut remettre en question tous mes calculs politiques, tous mes plans militaires, comprenez-vous? Ulrich von Altenberg, neveu du margrave d'Autriche. Condoléances. Faites savoir au roi des Francs que s'il a des condoléances à me faire, j'entends les recevoir de sa propre voix et que je me présenterai à son palais dans une heure. Allez. Un regrettable, un déplorable accident, imputable à l'inconséquence et à la sottise d'hommes trop prompts à se battre. La reine et moi, margrave, pleurons avec vous, avec notre ami et avec notre allié. Après ce chagrin, sire, je ne vois plus rien à faire en Terre Sainte. À l'expédition sur Damas, vos troupes doivent se joindre aux nôtres. Je me retire de Terre Sainte, avec mes troupes. Je viens d'en prendre la décision à l'instant. Que dites-vous? Mais vous êtes engagé envers nous. Mais le roi des Francs, n'a-t-il pas l'engagement d'assurer la justice? Une promesse rompue vaut bien un crime impuni. Mais vous connaissez les conclusions de ma police. Il y a eu querelle et accident. Il n'y a pas eu crime. Dans une querelle, il y a toujours un coupable. Trouvez le responsable et vengez mon neveu. Faute de quoi, ne comptez plus sur moi comme votre allié. Permettez-moi, sire, de me retirer et d'aller attendre de vos nouvelles. Au nom du roi, je vous arrête. Pourquoi ? Pour le meurtre d'Ulrich von Altenberg, neveu du margrave d'Autriche. Mais Gildo n'a rien à voir dans cette mort. J'exécute un ordre du roi. Gildo, arrête ! Sinon, tu ne reverras jamais Jeanne. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Nous sommes plusieurs témoins qui pourront affirmer qu'il n'est pas coupable. Je n'ai pas confiance dans la justice, fût-elle royale. Thibault parlera au roi, je te le promets. Je m'engage au nom de Thibault. C'est bien. Messieurs, allons-y. Gildo le Génois, tu es coupable de la mort d'Ulrich von Altenberg, le neveu de notre cousin, le margrave d'Autriche. Ton crime est impardonnable. Je te condamne à être pendu. Demain, au lever du jour. As-tu quelque chose à dire? J'ai vécu avec l'épée. Je préfère mourir par l'épée. Comme un homme. Je te l'accorde, tu seras décapité. J'espère que Dieu aura pitié de ton âme. Quel jour marchons-nous sur Damas? Ce sera après-demain, comme prévu. Alors, Gildo, c'est arrangé? Oui. Tu as eu gain de cause? Oui, j'ai échappé à la pendaison. Je ne serai que décapité. C'est de ma faute. Je l'ai persuadé de se rendre. C'est ce que j'aurais fait moi-même. Je lui avais assuré que tu parlerais au roi. Mais t'es engagé en ton nom. Tu as eu raison. Thibault, vous n'avez pas demandé audience. Qui vous a permis d'entrer ici? Sire, mon devoir. Sortez.
Sire, personne n'est responsable de la mort d'Ulrich von Altenberg. Je sais cela. Mais j'avais formellement interdit les rixes de cabaret. Je veux un exemple. Pour faire un exemple, faut-il qu'un innocent soit décapité? Laisse-moi. Ton devoir, Thibault, est de me servir, non de demander des comptes sur mes actes. Mon devoir m'oblige à te les refuser. La couronne est un fardeau plus lourd que tu ne crois. Écoute ce que j'ai à dire, mais après cela, tu partiras immédiatement sans ajouter un mot. Ce marin, ce génois, je sais qu'il est innocent. Je le sais, tu l'as juré devant le chef de la justice. Cela suffit pour moi, je suis convaincu. Mais sache une chose maintenant. Le succès de notre expédition sur Damas dépend de cette exécution. Je suis chef de guerre, Thibault. Raison d'État. Toi, tu es chevalier. Moi, je suis chef de guerre. Je t'ai donné mon secret à partager. Alors laisse-moi maintenant et essaie de me comprendre. Mais la justice... Faudra-t-il que le roi cède le pas à un chevalier? Que t'a dit le roi? Pardonne. Raison d'État. Que faire? Nous sommes les féaux du roi. Nous lui avons prêté serment. Nous sommes chevaliers. Nous avons prêté serment de ne jamais tolérer l'injustice. Si nous désobéissons, nous serons bannis de Palestine et déshonorés. Braver ce déshonneur sera pour nous un honneur. Alors on s'enfuit de prison. Nous allons essayer. Faisons notre devoir. Et laissons le roi faire le sien. Je vous le dis, tant que l'âme de mon neveu n'aura pas obtenu vengeance, mon âme à moi ne connaîtra pas de paix. Vous défendez un mort, monseigneur, et moi je défends un vivant. Il ne s'agit que d'un homme de rien, vous le savez. Un matelot, un aventurier. Mais cet aventurier, ce matelot est innocent. Un chevalier, un gentilhomme. Le jeune espoir de sa maison aura quitté notre patrie pour la Terre Sainte afin d'y trouver dans la première taverne venue une mort stupide. Non! C'est trop injuste, trompette. À la mémoire d'une vie si courte, je veux au moins une conclusion qui fasse un éclat. Comprenez cela et retirez-vous. Monseigneur, permettez-moi de traduire votre noble colère d'une façon plus juste. Un pauvre marin mourra décapité, quoique innocent, pour que personne puisse colporter en Autriche qu'Altenberg n'est pas mort en combattant, mais à cause d'un peu de confiture par terre. Allez prendre les ordres de votre roi. Je ne vous écoute plus. Capitaine, méfiez-vous de Thibault et de ses amis. Ils vont tenter quelque chose, je ne saurais dire quoi. Soyez sur vos gardes. Vous seul me répondrez du génois. Il est hors de question que quiconque le fasse évader. Pardonnez-moi, sire. Mais pour vous tirer tout à fait de souci, ne serait-il pas plus commode de procéder à l'exécution dès ce soir? Vous n'ordonnez pas l'exécution immédiate. Puis-je comprendre qu'il reste à ce marin une chance de grâce? Non. Alors pourquoi? Parce que si l'on est forcé de rendre une justice de roi, il faut réserver un délai pour la justice de Dieu. Mais c'est trahir le roi. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour le trahir. Il s'agit pour nous de le préserver de lui-même. C'est mon avis. Et de plus, ou bien il n'y a pas de coupable, ou bien nous le sommes tous. C'est parfaitement vrai. Et si la raison d'État ne s'attaque pas à nous, c'est uniquement parce que nous sommes bien nés. Je ne suis pas chevalier, moi. Je ne suis pas bien né, comme tu dis. Mais la raison d'État ne sera jamais mon raisonnement. Mais ce n'est pas un raisonnement, Blanchot, c'est un fait. Et si Gildo ne s'était trouvé là, point nommé, la raison d'État serait tombée sur toi. Pour moi, savoir Gildo condamné à mort est aussi grave que si l'on t'avait condamné, Blanchot. Et si j'étais à la place de Gildo, que ferais-tu? Je ferais ce que nous allons faire tous ensemble pour Gildo. Écoutez-moi.
Pas un geste. Surveillez-les. Messire Thibault, si vous tentez le moindre geste pour délivrer cet homme, j'ai ordre de le tuer. Il est innocent et vous le savez. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des ordres. Je suis un soldat. Et moi, un chevalier. J'ai une conscience. Un pas en avant, et je tue cet homme. Le roi avait raison. Il savait que vous tenteriez l'impossible pour sauver Gildo. Gildo, on a essayé. Dis seulement que tu me pardonnes, Gildo. Je croyais que tu ne serais pas condamné. Tu me pardonnes, Gildo? Gildo, qu'est-ce que tu préfères? Mourir ici de la main du capitaine ou mourir à l'aube de la main du bourreau? Gildo! Réponds! Ne te fatigue pas, Blanchot. Gildo t'aurait déjà répondu s'il pouvait le faire. Le roi est vraiment très fort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Gildo ici. Bien joué, capitaine. Maintenant, dites-nous où est Gildo. Non! Vous avez le choix, capitaine. Vous acceptez de sauver la vie d'un innocent ou bien vous prenez une autre vie à l'instant même, la mienne. Où est Gildo? Messire Thibault, n'avancez plus! Où est Gildo? Où est Gildo? Capitaine, vous avez fait votre devoir envers le roi. Maintenant, faites votre devoir envers vous-même. Dites-nous où est Gildo. Je crois que maintenant, je peux vous le dire. Parce que votre courage et votre audace ne vous serviront à rien. Gildo est chez le roi, dans les appartements du roi. Tentez quelque chose dans l'enceinte du palais. C'est tombé sous l'accusation du crime de lèse-majesté. Pourquoi regardes-tu toujours par la fenêtre? Tu attends quelqu'un? J'attends le jour. Pour moi, ce sera la dernière fois qu'il se lève. Je ne veux pas manquer ça. Dégainer l'épée dans l'enceinte du palais est inconcevable. Crime de lèse-majesté? Ouais. Mais si nous essayons d'entrer au palais sans nos épées, sans nos armes? Ils ont tout tenté. Tout ce qui était humainement possible. Capitaine, laissez-nous seul un instant. Je te sais innocent. Je te sais brave. Et je suis contraint d'agir comme je le fais. Je voudrais que tu puisses me comprendre. Sire, j'avais compris. As-tu un souhait à exprimer? Aucun, sire. Sinon, peut-être. Sa Majesté dernière est-elle me donner sa bénédiction? Non, la tienne d'abord. Je le ferai, Thibault. Je le ferai, mais j'ai peur pour vous. Pour vos amis. La raison d'État est une notion redoutable. Faisons tout ce que nous pouvons. Vous faire à la cour en cet instant. Votre place n'est pas ici. En exil, peut-être, mais pas ici. Retirez-vous. C'est
C'est moi, Seigneur. C'est moi qui leur en ai donné permission. Ils m'ont demandé la grâce de venir assister leur ami. Ils ont promis de venir sans armes. Compagnons, merci à vous tous. Je sais que vous avez tenté l'impossible. Merci. Je mourrai content. Tu as été reconnu responsable de la mort du chevalier von Altenberg. Mais tu n'es pas le seul coupable. La justice exige que tous les coupables soient punis. Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Je salue votre courage, votre esprit de justice et de franche amitié. Vous avouez être tous coupables de la mort d'Ulrich von Altenberg. Vous serez tous décapités. Sire. Madame, par grâce, taisez-vous. C'est impossible. Sire, vous ne pouvez pas faire exécuter vos propres chevaliers. Votre neveu doit être vengé. Ils mourront. Mon cousin, c'est moi qui vous demande de sursoir cette exécution. Nous avons besoin d'hommes. À Damas, le courage de ceux-là nous sera plus utile qu'ici. Notre gracieux cousin a pardonné. Vous êtes libre. À notre ami Gildo. À Gildo. À Gildo. À Gildo. Une bonne leçon pour nous deux, sire. La justice passe avant la raison d'État. Une double leçon, mon cousin. L'épée ne pourra jamais rien contre l'esprit. Sire, tu as les meilleurs chevaliers de la Terre Sainte. Tu peux dire de la Terre entière. Silence! Je bois pour saluer le courage tranquille. La fermeté de cœur. La noblesse native, la vraie. Honneur à la marine! Honneur aux Ivrognes! Non! Mais si, voilà une parole qui pourrait vous conduire sur le pré. Et sur le champ! Vous êtes prêts? Fendez-vous! Mais qu'est-ce qui vous prend? Sais-tu qui il est? Non, héros. Justement, nous non plus. Mais imagine un instant que son oncle soit l'électeur de Saxe. Ah!